Hey, hello, Exiles! Ici Zelk en compagnie de la chère Gecko! Hey, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes repartis. Sur quoi, encore une fois? Sur une petite vidéo de Path of Exile, encore une fois, et oui. Exactement. Une fois qu'on aura fini l'acte 3, on passera sur quelque chose d'autre. Mais en attendant, on est devant une belle statue de femme qui se soutient les ans! Bonjour, madame. D'ailleurs, on va lui manquer de respect un peu. On va la désacraliser. On va lui mettre des flèches dans le... Voilà! Brûle, salope! Brûle! Et on est reparti au même stade que précédemment. Hein. Bon, chers amis, on est toujours dans le truc de pitié. Ah oui, des nouveaux mobs ici. Ah oui. Bonjour. Ah, ils vont peut-être loot le truc de TP. Non, c'est rare en fait qu'ils. Enfin, c'est aléatoire complet. C'est pas parce qu'il utilise le spell qu'il va le loot. Ah oui, donc je voulais te dire aussi, on va tomber, fais gaffe. Quand je te dirai back, tu back. Okay. Tu m'écoutes, tu fais simple parce qu'en fait, ici, il y a un mini boss. Qui one shot encore, comme tous ceux que tu me dis qui one shot et qui one shot pas, c'est ça? Si tu veux tester de le tanker, ouais, tu pourras. D'accord. Si tu veux tester, hein. Ah bah on y est dessus, donc tu fais attention. Et il est là. Ah oui, il est pas l'air gentil lui quand même. Donc tu fais très gaffe de pas te faire choper pour l'instant, il a l'aggro sur moi, donc reste bien à distance hein, surtout. Ah bah du coup je peux le taper. Bon, moi je fais un peu d'offscreen. Ah, one shot pas, mais. Ah, il grip, ça dépend à quelle attaque il te met, hein. S'il te met l'espèce de petite. Petite vague sanglante au sol, ça fait pas sympa. Okay, on va le faire saigner, on va le kiter, on va utiliser puncture. Aïe! J'ai dit, on va te kiter. Mais tu es ce connard. Hein. Ah, tu vois, il one shot ton totem quand même. On va utiliser des boules. Oh putain, piste de race! Courage, fouillon! Ça fait l'idée. Oh putain, culé. Culé. Alors, on va le faire saigner. Hop! Ah là, ni vu ni... Aïe, 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 aïe! Putain, ta mère! Allez, meurs! Meurs, Yinche! Ouh! Mais tu l'as, voilà, ouh, baby! Plus galère que tout ce qu'on a fait jusque-là. Et c'était un mini-boss! Le boss de fin est sympa. Ah oui! Ah oui! Attends, tu m'as dit que ça s'appelait comment, le truc que je devais prendre? Le truc que tu devais prendre, c'est-à-dire? Le sort de droite. Energy Shield et Mana Regeneration, c'est pas ça. Le point c'était. Oui. Mind Overmeter. Non, pas Mind Overmeter, merde, c'est. Ah, je sais plus. Eldritch Battery, voilà. C'est où? En haut à droite, de ton arme de talon. En haut à droite. Oh putain. Ouais, mais c'est dans. Ah oui, mais levels, il est pas ça. Tout près. 1, 2, 3, 4 levels. Bon bah, quand 4 levels, c'est bon, t'auras du mana au moins. 1, 2, 3. Allez, viens. 4 levels, d'ici là, tu sers à rien. Moi aussi, tu sers déjà, c'est ton bon DPS. Mode. Ah, attention, Rogue Exile! Oulou, le freeze avec! Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais, ouais, j'ai freeze aussi. Fais gaffe, il y a un Rogue Exile dans le tas. Il fait mal. Avec masse. En fait, ça là, ils ont tout. Oui, et nous avons une belle déconnexion! Donc, oui, chers amis, Gecko va se reconnecter! Ah, c'est reparti. Pendant que je me fais le Rogue Exile en mode solitaire, allez, bonjour, biatch! Ah, j'ai déconnecté. Donc, une Rogue Exile qui m'envoie les. Ah putain! Des épées à la. Moi, TP à l'arrache. Ouais, attends, je t'invite rapidos. Invite party. Création de TP, pring. Et je te laisse mettre le Killing Blow. Oh oui. Tambo. Oh oui. Une corde à l'amulette, c'est pas mal. Un récure robot, une infanterie, brigandine, tout ça c'est pour moi. Golden Mask, tu as pour toi et Tribal Circle, c'est pour toi. Golden Mask. Non, j'ai déjà un masque. C'est moi ce qu'il a les 4 gemmes dedans, donc je pense que. Ouais, là pour le coup, forcément ça va pas changer. Non, ça va pas trop m'aider. C'est de la merde. Alors, une belle déco quand même, sympathique. Hein. Oui, ça arrive. Ouais, c'est le jeu qui a planté quoi, clairement. Bah, ce sont des choses qui arrivent, hein, Carole. Avec les jeux en bêta encore. Bah, il est plus en bêta, c'est ça le problème. C'est 15 ans en bêta. Non, mais comme je t'ai déjà dit, il y a quelques petits soucis d'optimisation du jeu. Enfin, c'est. En fait, de ce que j'ai compris sur les forums, ils ont. Comment dire? Comment expliquer cela? Ils ont codé leurs choses sur un programme qui n'est pas terrible de base, et s'ils veulent recoder le jeu, bah ça leur prendrait tout le jeu à refaire. Donc, ouais, c'est pas prévu pour tout de suite. Du coup, ils essaient de le débugger quoi. Ça. Oui, ça oui. Ils essaient de l'optimiser un maximum, mais la vraie reconversion du jeu devrait s'effectuer à partir de l'année prochaine, du début de l'année prochaine. 2018 à peu près. Non, début de l'année prochaine, parce qu'en fait ils vont sortir le nouvel acte, donc ça sera l'acte 4. Ouais. Putain, terrible. Ouais, en fait, c'est pour l'instant on a des mini-expansions, comme par exemple on a les masters ici. Donc les masters qui sont gardés, les expansions précédentes qui sont gardées, genre les Val machin, Val Corrupted. Et ben là, ça sera juste un nouvel acte, tout simplement. Donc ça permettra. Ouais, tout simplement. Du coup, ils veulent sortir un nouvel acte avec nouveau jeu. Ouais. Et là, on arrive dans la zone creepy. Donc prépare-toi, c'est la zone creepy. Je te prépare-toi à faire quelques zoom-in, hein, parce que pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est que l'horribilité de la chose. Go.
Inaris Temple. C'est l'entrée. Inaris Temple, level 3. All chief and click the stack of item to unstack them. Pas ici. Ce reste du sang. Oui, c'est du sang. You've got so much to answer for. Oh, des litres. Et des cadavres, un peu partout. Oh, attention! Okay. Juste devant toi, devant toi, devant toi. Je vais me caler dedans. Là, je vais augmenter un peu la nuisance sonore, entre guillemets. La nuisance sonore. Juste que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Les oreilles. Ah, ils font mal, celles-là. Ouais, fais gaffe, celles-là, elles font assez mal. Okay, tu vois, c'est mal. What the fuck, c'est quoi ces êtres des élémentaires de sang. Donc là, comme vous pouvez voir, attends, la touche pas. Regarde, je zoome dessus et donc on voit que c'est une femme à poil avec des espèces de tentacules à la place des bras et qui crache des trucs, des spites. C'est dégueulasse, couché, c'est le bête. Et donc, comme tu peux voir, là par exemple, voilà, sur les pikes, tu peux zoom in et... Oui, c'est ça. C'est sympa, quoi. Non, je trouve pas. Ah, tu vois les cadavres. Ah, bonjour. Bonjour aux êtres de sang. Tu vois, c'est assez sympa comme endroit. Regarde, là pour le coup, on a une brochette. Bonjour. Une fois, j'ai dessiné du nez, ça ressemblait à ça. Non, mais je sais pas si t'as zoom in sur les côtés. Ouais, c'est un petit peu, ouais. Et regarde dans l'eau, par exemple, ici, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui se débat. Ah, là-bas, ouais. Ouais, tu le vois? D'ailleurs, j'ai plein de trucs à augmenter. J'ai même pas vu. C'est horrible. C'est un peu... Donc voilà, non, moi j'adore. J'adore. Non, j'adore. C'est pas que j'adore, hein. Je trouve ça bien foutu dans le sens où c'est vraiment creepy. Il y a quelques creepy, tendances sadomaso, mais bon, ça. Aïe, fais gaffe ta vie. Non, mais c'est quoi qui me aussi cher là? Et on se calme, saloperie! C'est des salauds. Des salopes. Pour le coup, c'est à dessin. C'est à dessin, c'est des salopes. Ou des mecs obèses, possible. Mais non. mais non, voyons! Zalk, tu dis de la merde, Zalk. Oui, un petit peu, Zalk, tu peux te détendre. Tu peux te détendre, calme-toi. Je te calme tout de suite. Tes êtres de salauds. Tes êtres de salauds. Ouais! Mourant! Ils aiment bien les petits passages étroits sur Passive Excel, j'ai l'impression. Après là, passer par là où on est passé, écoute. Je suis désolé. Mais dans les espèces de donjons, t'as toujours des petites passerelles comme ouais, ça. Ouais, ouais, d'ailleurs, c'est assez embêtant comme endroit parce que quand tu tombes contre des mob casters comme ça qui peuvent t'attaquer de bien loin et que toi t'es un cas, que tu te dis Hein? Comment j'arrive à eux sans que je suis mort? En l'occurrence, on est pas cas. Heureusement. Enfin, toi, t'es pas loin d'être cac, hein. T'es mid-range. Je suis en train de prendre la misère. Mais non, je veux pas mourir. Hop, le kiting, l'esquive des spikes. Non, j'ai pas trop esquivé. Y'a pas ce truc par ici. J'arrive, je monte. Ah, t'es bienvenue dans Auschwitz. Ah non, toujours pas. Ah, une robe pour toi. Oh, joli. T'as vu les mitrailleuses? Ah oui, c'est ça, hein. Pour le coup, c'est une espèce de mitrailleuse. Je sais pas ce qu'elle nous envoie, mais ça fait pas plaisir. Bonjour. Ah, on a invoqué des armes, ça va faire plaisir. Oui, ça nous aide un petit peu. Ouais. Pour savoir, on s'en galère, mais. On progresse. Ok, c'est pas par ici. Génial, on progresse dans le mauvais sens. Progresse. Hop, retourne. Droite. Abort the mission. L'autre droite, on meurt. Donc, je disais. Oh, il y a des choses par terre. Qu'est-ce? Attends. Ambiance son de volume. Vous pouvez entendre comme ça les cris des gens. Oui. Et bienvenue dans Auschwitz, ma biche. Bonjour. Ceci n'est pas creepy. What? Est-ce qu'il y a, t'as pris cher? Oui, j'ai pris cher. T'as fait mal. Regardez par terre, en fait, on peut marcher sur des têtes. Ouais, bah regarde par ici, tu comprendras. Oh, il y a des mecs décapités. Il y a des mecs qui sont... Avance encore par ici, tu comprendras. Oh. Bonjour. Allez, on passe par en dessous. Il y en a un qui bouge! Ah, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah, il y a un tas de corps énorme là-bas au bout, putain. Ah, bah, tu verras par ici aussi, il y en a pas mal. D'accord, j'arrive. Mais qui sont ces gens? Eh bah, au fait, ceux-ci, ce sont des exiles, tout comme toi, qui ont été au fait récupérés par Pity ou attirés dans un certain sens pour ces expériences. Donc, il y a quelques piles, hein. Putain, elle joue à Tetris, c'est ça! On l'a compris, elle joue à Tetris! C'est les mecs du mode hardcore, non, qui sont morts. Eh, ça serait pas mal ça. C'est pas mal, oui. Waouh! Oui, bonjour madame. Ah putain, c'est un sacré tas de mobs, hein. Donc si vous êtes choqué, par contre, n'hésitez pas à couper la vidéo. Hein, parce que c'est assez gore, assez creepy. Désolé, mais bon. C'est un jeu vidéo. Oui, oui, ça tombe jamais. De toute façon, maintenant les gosses ils jouent tout ça. Call of Duty, etc. Donc. Hein. Oui. What? Fils de race! Fils de race!
Bonjour, je suis un fils de race. J'ai un Valar. Par contre, il y a une belle porte. Je sais pas si tu vois cette porte. Elle est... Ah, je vais oh mon dieu. Je vais arrêter de zoom in. Oh, une jambe. Bonjour. Tiens, j'ai perdu ma jambe. C'est la jambe à Marcel. Marcel. Tu connais pas la Marcel. Waouh, mais la quantité de ces saloperies. C'est dingue, pourquoi il y a la masse. Alors, mais c'est quoi ce nombre de noobs incroyables qu'il y a dans le jeu là? Ouais, des bleus, fais gaffe, elles sont bleues. Elles font mal. Ils sont tout très tanky. J'arrive. Mourez! Oh, t'es... Ma vie qui descend. Ouais, mais la vie descend plutôt vite avec ça. Ouais. J'ai quelques petits lags, je sais pas si vous les remarquez, c'est un peu. C'est un peu relou, hein. Mais ça ne vient pas de chez moi. Attention, ouais, bordel de merde. Attends. Attends, je vais tanker, je vais mettre devant. Mais oh! Mais t'as pas droite? Comment elle tabrine? Aïe. Comment elles font mal? J'ai l'impression que mes sœurs ils tapent pas quoi. Non, c'est juste que les mobs sont beaucoup plus puissants ici. Et tu vois, ça commence à être le late game donc commence à se sentir. Enfin, le late game. Le late act, entre guillemets. Oui, le late jeu. Oh, mais gars, moi ça là c'est dégueulasse. Techniquement, le late game. Le late game de l'acte. En difficulté normale. Imagine maintenant faire ça en hardcore. On a fini et le en... jeu. Oui, exactement. Donc imaginez ce passage en mode difficulty max. Saut. Ah bah là tu aurais le truc de TP lightning, tu pourrais, tu vois. Ouais. Et tu l'as pas. Bien, ça. Très bien. Oh, et on va arriver sur la pity. La petite pity. Tu te calmes, tu te couches, tu fais pas chier. C'est ça, tu es mon totem, mon salope. Pity, elle fait quoi? Alors, avant qu'on arrive à pity, je vais quand même t'expliquer parce que là il y a quand même quelques petits trucs à savoir. Des vraies choses, pas comme le boss. Non, non. Des vraies choses. Promis juré. Boss de l'acteur 1, en fait, tu DPS. Et c'est quoi? Tu fais quoi d'autre? Bah, c'est tout. Non, le boss de l'acteur 1. Attends, c'est lequel le boss de l'acteur 1? Non, c'est quand même le mec dans la prison. Non, c'est pas. Non, c'était Merveille. C'est le boss de l'acte 2. Ah oui, était, non, l'acte 2, ouais. Ouais. Bah, il a toujours pas été refait celui-là. Donc, avant de rentrer dans le portail, je vais t'expliquer. Donc, Pity, elle possède trois formes. Une forme normale, donc comme elle était de base quand on l'a rencontrée dans le crématorium, donc elle va lancer des éclairs. Les éclairs sont en règle générale à esquiver, mais c'est pas non plus la forme la plus dangereuse. Elle a une forme physique où elle devient géante et attaque au corps à corps avec des flammes. Donc c'est la phase la moins dangereuse si tu as ta résistance capée au niveau du feu. Donc regarde, okay. Sait-on jamais. Pas du tout. Je ne sais pas personnellement, je suis à fire resistance 36, donc c'est pas terrible. Mais bon, c'est encore le moins dangereux parce qu'elle fait pas énormément de dégâts non plus. Par contre, la troisième phase, elle se transforme en une archère géante de frost qui envoie des grosses salves de froid. Ouais, 5%. Donc si tu as touché, t'es mort. Donc il y a des piliers dans la zone. Dès qu'elle se transforme comme ça, tu cours et tu te mets derrière un pilier pour que les flèches ne te touchent pas. Ah oui, d'accord. C'est obligatoire. Si tu te fais toucher, t'es givré et ensuite elle t'enchaîne quoi. Et tu meurs d'une atroce souffrance. D'accord. Dernière chose à savoir, elle crée des petits portails au sol. C'est ces portails-là qui lui permettent de se transformer soit en rouge, soit en bleu. Donc en archère ou en physique. Et ces portails, tu peux les DPS aussi. Donc si tu n'as rien à DPS, tu DPS ce portail histoire de le détruire, qu'elle puisse pas rentrer dedans. Parce qu'en forme humaine, c'est pas non plus. C'est très esquivable ces dégâts. Donc bon, are you ready? Moi, j'ai regardé le skin de mon armure là, plutôt moche. Pour changer. Hein. C'est bleu, donc ça peut être intéressant, tu vois, mais. Regardez celui-là. Ah. Here we go! Let's go! Donc on va arriver sur elle, elle est de l'autre bout de la salle. N'hésite pas à DPS directement les portails qu'elle va créer. Donc elle va avoir une petite phase de parlotte. Voilà. Go, DPS. Casse-toi! Ah oui, c'est ça. Mets-toi derrière un pilier, t'attends qu'elle ait fini. Je DPS les portails en même temps. Voilà, c'est bon. Go, DPS. Attends, c'est bon. J'ai comme un problème. Les portails font quoi, tu m'as dit? Les portails lui permettent de se TP quand elle rentre dedans. Et d'accord. De changer de forme. De toute façon, elle fait pop mass as aussi. Ouais, moi je tue les portails là. Ouais, bah je t'en prie, moi je me charge des ads et d'elle. C'est génial. Ah, la forme de feu, donc là vous la voyez sur moi. Ouh, elle met quand même une belle tarte. En fait, je me casse. Je me casse. Aide-moi! Bon, je l'ai là. Elle est où? En fait, normal. Ah oui, en gros, c'est dans les portails bleus. Ouais, voilà, exactement. Donc là, je sais pas, elle est où? Ah, forme de givre, fais gaffe à toi. C'est toi qui as le focus. Un pilier, t'attends la fin. Ok. Ah là, c'est bon. Bonjour, mademoiselle. Vous me semblez jolie, vous me semblez belle.
Pourquoi je n'ai plus de sort? Attention! Putain, elle me défonce la cour, gueule! Cours, 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 continue de courir! Kite, c'est bon! C'est bon, allez en mode normal! Oui, oh. Dépêche, sinon son bouclier va se régénérer! Attends, faut que j'en mette mon. Ah, saloperie! Mon totem, j'ai plus mon totem, je suis désolé. Je t'en prie! Ah, elle s'est épée, je sais pas aller où! Ok, forme de feu sur moi! Allez, je peux la tanker! Continue, allez, on lui met la bite, la misère. Oups, TP. Quelle forme? Forme feu, continue. Ouh, je vais crever. Non, j'ai plus de popo. La survivance d'un âme. Ah mec, Kill it. J'ai plus de mana, regarde. Ouais. Allez. Oh, fuck. Tower key, moi je prends la clé. C'est vert. Oh, je prends les boots. Yeah. Oh salaud, je voulais ça. Ah, tu voulais la bebelt. Tiens, Et ça a failli être la mourance, donc chers amis. Alors, combien de temps on est sur la vidéo? Je pense qu'on est pas mal. Non, on peut encore avancer un petit peu. Ok, donc là on a quelques amis Tolman ici dans leur chaise. En mode, ouais, le spectacle était pas mal. Enfin, celui du milieu se dit le spectacle était pas mal, et les deux autres à droite et à gauche disent, ah, je me suis endormi. Ouais, pas terrible tout ça. Ça. Requiert level 35. Là j'ai un truc 29, putain, 33, 34, 62. Crespel damage 14%, 11%. Elle est bien mieux que celle que je jouais. Je jouais une arme bien. Ah, mais c'est chouette ça. Donc, mais comme vous avez pu le constater, c'était pas si facile que ça. Hein, Bon, c'est pas compliqué, mais c'est sympa. Enfin, j'aime beaucoup pour le coup. Ouais, j'ai quand même failli crever. Hein, puis popo. Parce que t'es nul ça. C'est pas vrai. Hein. Ça va de soi. Il est pas gentil avec moi, c'est impressionnant. Attends, j'ai chopé un truc, Fukumi, c'est quoi? Un Val Orb, alors ça a été. Ça corrupte une item, mais. Oui, voilà, et en fait, le truc, c'est que ça crée quelque chose complètement aléatoire. Mais vraiment complètement aléatoire. Ça peut te créer des choses que tu ne peux pas avoir de base quand tu craftes un item, comme ça peut faire de la merde. Hein. C'est genre si tu l'utilises sur un item unique, tu peux avoir par exemple. Tous les items dans cet item sont supportés par une skill gem supplémentaire de base dans l'item unique. Donc quand tu mets par exemple. Item in this level. Gem d'Indie System a supported by level X Flea. N'importe quel gem que tu vas mettre dedans, chaque fois que tu l'utiliseras, tu auras une chance de faire fuir les monstres. Ah. Donc c'est chouette. Par contre, le point négatif, c'est que ça peut être aussi. Tu peux avoir de la merde. Du style, par exemple, ça peut faire passer ton item unique en item jaune. Ah ouais. Allez, voilà, dans le genre. Donc bon, c'est une espèce de petite loterie, encore une fois. D'accord. Comme beaucoup de choses dans le jeu, j'ai l'impression. Ouais. Le couvert de vente, ça c'était pas terrible, ça. Alors, on est bien là. Pas terrible. La pété pipiou. Ceinture level 9. How you doing? Là j'ai 200 de mana shield donc. Bah, ça te fera 200 de mana en plus. J'aimerais bien l'avoir genre soon, mais pour encore 4 levels. Eh ben non! Parce qu'on va prendre la récompense de Kev, hein. Dans 3 levels. Ah, 3 levels? Bon, plus qu'un alors. Non, 4. Bon, il faudrait 5, savoir. Hein. 28. 28, madame! Clarissa nous donne la prochaine quête. Non, et Grigor. Et tu prends le Book of Skill qui te donne 2 points de skill. Oh! Oh! Damn, baby! Oh, qu'il est gentil, Grigor. Qu'il est sympa. Mais qu'est brave, gamin! Ok, bon, gentil, mais. Donc, ici, je voulais partir par ici pour en fait aller chercher ces points. Là, il manque 2 levels. Ah non, pardon, ceci. Donc, on va passer par ici. Et il a 2 têtes, lui, non? Ou c'est moi qui rêve? On va passer par ici, en fait. Tac, voilà. Je vais aller foutre ça dans ma banque. Donc, tu as 2 points de skill, du coup, ça te rapproche encore plus de. Mana Eldritch Battery. Ouais, voilà. Mana machin. Exactement, donc je viens vers toi et nous repartons. Donc, on prend le waypoint et nous allons à Ebony Barracks. Ebony Barracks, yeah, pour aller au top. Ouais. Nord de là-bas. On va aller dans les jardins. Oh, c'est de joli. Je suis sûr que c'est en bas. Non, en fait, c'est en haut. The Sewer Waterway, c'est de là où on vient. Exactement. Donc nous allons aller en haut à droite. Là où il y a de la Veldur. Il y a quoi? De la Veldur. La Veldur. Faut quand même prendre quelques escaliers, normalement. Que je laisse des PS, hein. Moi, je me promène, hein. Je me baladais. Je cœur joyeux. À l'inconnu. À l'inconnu, tu empêches de tuer mon totem, tu vois. Ouais, je suis pas capable les mobs histoire de les tanker tous ensemble. Bonjour, bonjour. Faudrait vraiment que j'ai un nouvel arc.
franchement, j'ai un DPS d'une moule asthmatique. On n'avait plus qu'à imaginer une moule qui tousse. Oui, c'est ça. Je pense que c'est par là. Non, pas ici. En fait, normalement, il faut suivre les... Putain, mais il y a Masma. Mais bonjour. Comment allez-vous? Mass expert. Bah pas oui, pour ça. Le coup, c'est bien. Bon, je vais regarder si c'est pas par ici. Non, non, il y a mob jaune, okay. Là, je dirais. Mob jaune. Tu comptais sur le fait qu'il y avait, quoi. Oui, bah pour le coup, oui. Mais comment le mec, il charge ton totem, Lucille. Rien à foutre. Cérès. Totem est bien trop fort. Ah, faut que j'ai du mana, là, c'est... Il y a un mec mort, là, ou il est pas mort? Il était pas vraiment mort. Il a décidé de non. I won't die. Mais les mecs, ils meurent plus, là. J'ai l'impression que parfois, tu les vois devant toi, mais ils sont derrière un mur, tu vois. Ouais, parce qu'ils désynchronisent. Et du coup, tu les tapes et ils vont prendre pas de dégâts. Et puis après, tu te mets bien devant eux et là, oh tiens, magie, ils meurent. Ils meurent. Oui, oh, se calme, madame, madame, hein. Eh, hey, Jacqueline, tu vas te calmer tout de suite, hein. Kill it. Voilà. Ouh, c'est quoi ça? Oh, Imperial Garden. Here we go. Les jardins impériaux, on va s'arrêter sur le début des jardins, hein. Ouais, on va se mettre devant un petit coin, et voilà. Devant un petit coin joli, un joli devant endroit, un petit coin joli. Devant un endroit tout mignonné. Un endroit tout mignonné où j'ai fait planter quelques tomates et un peu là, de salade. Là, il y a des palmiers, il y a des gens, il y a plein de petites choses. Voilà, c'est tout joli, joli, il y a des palmiers. Moi, je dirais, on se met ici. On se met ici. On se met là, t'es sûr? Oui, entre les palmiers et tout. Soleil cocotier. Mais ça, ça va mieux avec soleil. Un peu, oui. Trop soleil. Et chers amis, donc on va vous laisser là-dessus. Exactement, entre ces beaux palmiers, on vous fait des gros bisous. N'aimez pas, n'hésitez pas, pardon. N'aimez pas cette vidéo. N'aimez pas les vidéos. N'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner, etc. N'hésitez pas à trash talk, ce genre de choses, tout ça. Ouais, donc ouais. On vient bientôt et puis on vous fait des gros bisous. Soyez un mec, non, voilà. Gros bisous à tous et à la prochaine. Au revoir.